Alors comme je vous disais, hein, l'objectif, 27e et 28e jour, je vais renforcer mes défenses, bétonner comme un porc, serrer les fesses pour la horde du 28e jour. Voilà, c'est les objectifs. Je pense que ce sont des objectifs plutôt sains, donc c'est pour ça. Hé, mange un M, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bon voilà, c'est vraiment des objectifs ultra simples, et voilà. Tu es en train de dire que j'ai vieilli, c'est ça? Enfin, je peux en convenir, hein. J'ai entendu... Ah mais t'es là, petit con! Attends, tu peux sortir de ton trou? Ah. Alors déjà, tu vas te calmer. Ah, ce petit lag, absolument délicieux à cause des arbres. Il va falloir que je les plante un peu plus loin la prochaine fois. Ah, j'essaye de viser la tête, mais... Ah, ouais, touché. Trop. Oui, je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Tu dois être sur le côté. Ah ouais, je t'ai entendu, ma petite chérie. Je suis un ninja. Les ninjas entendent. Oups. on peut discuter peut-être. Vous habitez dans le coin? D'accord. Bon, on va se contenter de ça. C'est très bien. Petit merdeux. Ah. Soit c'est moi qui ai pris un coup sur le casque, soit j'entends le grenier. Ah bah voilà, je savais bien que j'avais entendu grogner. Je suis pas complètement fou. Tu me déranges, chérie. Je suis en train de m'occuper de la nature. Voilà, merci, c'est gentil. Ouh, j'ai été piqué. Hop là, et on réattaque. Je ne prends que des produits, entre guillemets, que je considère de qualité. Ou parce que j'ai les bonnes adresses. Hmm. J'ai entendu un drôle de bruit, par contre. Et ça ne me plaît guère. Putain, j'ai le wifi, hein. Non. Tu t'es gouré. Voilà, si elle pouvait éviter de crier, cette gourdasse. Voilà. Voilà, t'évites de crier, ma puce. Voilà. Parfait. Allez. Le dernier pour la route, ma puce. Et après, on rentre tranquillou pilou à la maison. Allez, yes. Allez, on va rentrer à la maison. S'il faut, si et si j'ai le temps, je replanterai. Oh, j'avais oublié tout ça. Ouais, bon, bah, je vais me contenter de ce que j'ai. Je pense que ça devrait le faire. Par contre, ce qui serait top, ce qui serait... Oh, j'ai oublié d'éteindre les phares. Oh, ça me surprend, moi, ça. Ok. Ok, pourtant j'ai éteint le phare, mais bon, ok, ok, ok. Doit être un petit bugouille de rien du tout. Est-ce que j'ai de l'acier? Je crois que j'avais déposé yes. Well. Parfait. Alors, le béton, je vais en bouffer, mais alors une quantité, ça va être juste dégueulasse. Ah, j'assume, hein. J'annonce la couleur, j'assume complètement ce que je viens de faire. C'est juste ouf. On a du bois. On a d'ailleurs une quantité complètement dinguissime. Mais en même temps... tiens, bouffe ça un peu, ma puce. Ah, c'est un peu plus lourd. Ça va te faire du bien. Alors, vous savez quoi? Je suis le poinçonneur des lilas. Arsé jardin direct par le Valois. Hop là. Et avanti. Il me faut de la pierre pavée. No problemo, no problemo. De la pierre pavée, j'en ai. Et au pire, je peux en faire. C'est zéro stress pour moi. Compo. Ben oui. Ah oui, il me faut de l'argile. Suis-je bête? Il me faut de l'argile. Compo. J'ai pas trop...
trop aimé le bruit. Ah, d'accord. T'es la petite cocotte. Oh, je l'ai raté à cette distance. Saute. Voilà. Voilà. Là, on va être tranquille. Et bonsoir, monsieur Jack Play. J'espère que tu vas bien, mon ami. Comment vas-tu? Allez, on va renforcer le merdier. J'ai pas envie de me faire agresser. Crémaillère spéciale pour les viewers et pour Franck s'il peut venir. Ah bah écoute, si je le peux, pourquoi pas. Alors déjà, il y a quelque chose de convenu. Est-ce que ça devrait le faire? Je vais renforcer ici. Alors c'est sûr qu'en coop, ça a pas la même goût. Ça a pas le même goût, hein, clairement. Moi j'adore y jouer effectivement en coop avec Monsieur Jack Play. Mais c'est vrai qu'en solo, moi ça me dérange pas. Puis surtout ça me permet de faire mes petites expériences et aussi des conneries. Et ça c'est important dans ma tête. Oh, allez. Ah, on va y passer la nuit. Hein. Allez ma puce. Voilà, tu refais un bloc ici, on s'en fout, hein, on en fera un autre plus tard. De toute façon, je veux laisser quelques ouvertures, je fais exprès, comme ça ils passeront. Je vais les canaliser comme de l'eau en fait. Ah, je sais, vous allez me dire, Franck, c'est pas un poil tordu? Oui, mais totalement, hein, je veux dire, j'assume complètement le fait que ça soit tordu. Mais c'est ma vision du truc. Je veux leur laisser la possibilité de passer, parce que je vais mettre des pièges partout. Alors tout le monde se fout de ma gueule avec mes pics, mais ça marche. Donc vous pouvez vous moquer tout ce que vous voulez. Si ça marche, ça marche. Et je vais juste dire T for me and T for you, you and me for you. Voilà, that's better. Quoi, c'est tout? Ah non, 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 il me faut plus de béton, plus, toujours plus. Je voudrais voir un truc qui me perturbe depuis la dernière fois. Alors, je vais prendre mon peupon, parce que quitte à partir en goguette comme un poulpe. Là, j'ai fait du béton armé, là aussi, ouais, il va falloir faire un peu de rafistolage. Je vais monter le béton un peu plus haut, parce qu'il saute, ces petits punks. Ouais, ça va. Ça va. Ça va. Pour le moment, ça a l'air bien. Il faut que je renforce. Ouais, ils ont mis quelques petits pets la dernière fois. Cette bande de chameaux. Ouais, ils m'ont pété. Le truc est ici. Je vais essayer de réparer un peu. Ouais. Ouais, pas besoin, pas besoin. Et merde, il me l'a fait en acier. Oh, fuck. C'est ça que je voulais réparer. Voilà. Il y a un petit punk à chien. J'ai entendu un... Non. On va les réparer de l'autre côté aussi. Voilà, réparer. Ah oh, putain, pour le choper. Voilà. Voilà. Il est réparé lui? Ouais. Ouais, réparé. Ouais, ça va me coûter cher en réparation, mais bon, tant pis. Hein. Tant que j'arriverai pas à mettre la main sur du fer, je vais être un tout petit peu dans l'emmerdoiement. Mais bon, là, on va faire avec, hein. J'ai pas des masses le choix. Ouais, ça c'est bon. Tu pourras pas en mettre au niveau du sol à cause de tes pics de fragile. Alors, c'est pas un des pics de fragile. Déjà, elles font le boulot. Donc, tu peux critiquer tout ce que tu veux, mais elles font le taf. Et toi-même, tu l'as dit. J'avais les doigts de pied en éventail. Et c'est l'objectif clairement fixé. Et moi, je l'admets. Hein. Je veux dire, je suis pas là pour souffrir, moi. Je suis là pour faire le boulot correctement. Donc, c'est peut-être des pics de fragile, comme tu le... Tu le dis avec beaucoup de médisance, cher ami. Mais, elles font le boulot. Que tu le veuilles ou non.
et faut en mettre jusqu'en haut par sécurité. S'il se monte sur la tête. Bon, à ce moment-là, autant que je bétonne jusqu'en haut, j'irai beaucoup plus vite. Tu vois? Tu vois, au moins jusqu'ici. Voilà, c'est cette partie-là que je voulais. Hop. Ici on a déjà du béton. Je vais donc placer. Parce que ces petits cons, comment ils passent? Ils passent par là généralement. Alors, j'en ai vu passer par ici. Tiens, débarrasse-moi de ça, ma puce. Parce que ça nous sert, mais alors à que dalle. Les zombies sont capables de monter sur ta base par ton entrée. Ils vont se chevaucher. Ça, c'est totalement leur style. Hein. Ils aiment bien monter les uns sur les autres. Ils sont facétieux, ces petits zonzons. Ils sont facétieux. Ils aiment rire et jouer. Ils sont joueurs. Un peu trop, à mon goût. Mais bon, on peut pas tout avoir dans les lois de l'univers. On va en caler ici, ici, ici. Parce que comme ça, si ça tombe, ils vont se faire chier pour sauter. Je vais vous donner l'envie, moi, de taper dans les piliers. Je vais vous la couper, moi, l'envie. Bande de petits merdeux. Puis je vous l'ai dit, moi, je suis un joueur lent. Je continue toujours d'apprendre les mécanismes, c'est normal. Vous pouvez pas me demander d'appréhender le truc comme ça, en deux coups de cuillère à peau. C'est pas possible. Et puis, hé, une mort en 28 jours, ça va, hein, franchement. Ça pourrait être pire. Ah, j'aurais dû me débarrasser de ça. Si je peux... Ouais, je vais le faire. J'ai le temps. Large le temps. Peut-être que la récolte sera bonne. Merci ma puce. Un peu d'argile. Oh, j'adore l'argile. Oh, j'adore. Combien? 3? C'est peu. Je vais me contenter de ça. Hein. Ai-je vraiment le choix, de toute façon? Eh ben non, j'ai pas des masses le choix. Alors. Ouais. Oui, on va faire ça. Je vais aller faire la récolte du jour. J'ai large le temps, en plus. Urf. Non mais après, vous savez que j'ai quand même conscience que ma base va tomber un jour. J'en ai pleinement conscience. Par jour, hardcore. Bah, et pourquoi pas, il a raison. Si à un moment donné, il se le sent. C'est comme quand tu joues à Project Zomboid, hein, si tu te sens de faire du 6 mois plus tard, je vois pas où est le problème, ma belle. Oui, le loot. Tu me l'as balancé là-bas. Oh, ça m'a l'air d'être tombé sur un toit, ça. Où es-tu? Je t'ai entendu. Le problème, c'est que je ne te vois pas. Ah bah oui, en pleine tronche, ouais, j'avoue, ça picote un peu. Allez, on va aller regarder le loot. Alors, s'il est sur le toit, ma cache walou, hein, j'y vais pas. Trop la flemme. On va aller voir ça. Oh, j'ai encore des arbres, c'est incroyable tout de même. Vous moquez, mais le boulot est fait. Ah merde, c'est le biome... comment vous l'appelez? Dévasté ou un truc dans le genre? Oh putain, je me méfie, il y a des mines ici en plus. Ah super, le temps de merde, génial. Oh, je déteste ce biome. Je déteste ce foutu biome. Il y a des mines, c'est dangereux de partout. Un coup à ce que je me fasse scalper comme il faut en plus. Putain, mais où c'est qu'il me l'a foutu? Tellement loin, tellement loin. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus je vais pouvoir m'occuper du trader.
fort bien. Hey there, silly little sailor. Welcome aboard my boat. Oui, oui, bah là, vous pouvez me courir après avec une péteuse. Je vais beaucoup plus vite que vous. Ce qui, évidemment, m'arrange. Alors, on va doucement. Petit virage. Alors, qu'est-ce que nous avons récupéré? Un fusil de chasse, il est pas terrible. Pistolet mitrailleur de level 2. Alors, ouais, bah, j'en ai un de level 2 aussi. Ouais, pas terrible. Tant pis. Qu'est-ce que nous avons? Ça, ça me sert à quoi, ça? Multiplating. Ah, mais j'ai pas de fibre militaire. Donc déjà, c'est mort. J'ai trouvé des bastos. Bon. Bon, je vais pas faire la tête, hein. Je vais pas faire la tête, c'est déjà ça de gagner, hein. Ah, c'est quoi? Je vais peut-être aller couper encore du bois. J'ai large le temps. Et après, je m'amuserai soit avant, soit après la horde à replanter l'ensemble d'une petite forêt. Mais j'irai la planter beaucoup plus loin. Pour être, comment dire, un peu plus tranquille ou pilou, en fait. C'est un peu l'objectif. Oui, oui, je t'ai vu, toi, mais... T'es tout seul? Bon, bah, écoute, t'es tout seul. J'arrive, une seconde. Hein. Je suis à toi dans deux minutes. Voilà. Voilà. Où j'en étais? Ah oui, ici. Ça c'est fait. Non, c'est trop loin. Flemme d'y aller à pied. Et d'ailleurs, il vaut mieux que l'on critique avant que tu meurs. Après, ça sert à rien. Je suis d'accord avec toi, mon cher. Il vaut mieux le faire avant que après. Après, c'est trop facile. Avant, à la limite, quand il y a le après, tu pourras dire je te l'avais bien dit. Tu vois. C'est toujours mieux placé. Alors. Ouais, des barbelés, il me faut quoi? Essentiellement du fer. Fort bien. L'autre côté, je peux plus en faire. Oh, j'ai tout bouffé déjà. Ah, une seule. Ok, bon, bah, tant pis. Je le saurai pour la prochaine fois. Alors, souvent, ils arrivent par là. Si ça peut. Pff, ouais, c'est vraiment pour blaguer hein, que je vais en mettre une ici. Je la vois pas. Ah voilà. C'est un peu dommage. Je pensais que j'avais plus de fer. Ça m'embête. Je pensais que j'en avais beaucoup plus. C'est pas grave. Voilà. Même des flèches standards, ça fera le boulot. Ouais, ouais, vous inquiétez pas. Même des flèches standards, ça fera le boulot. Allez, c'est parti. Faut voir d'où viennent... Allez, voilà. Il y a du fer là. We'll be right back.
Bushman.
Bon, eh ben, je crois qu'on a passé la horde. Plutôt positif. Eh ben...